Par Eric, lui-même parachuté. Il les a donnés pour 3 millions de francs, qui ne touchera pas, mais une balle dans la tête. Tous ces hommes arrêtés, torturés par la Gestapo à Marseille, au 425 rue Paradis, n'ont pas parlé. Et se sont retrouvés amenés par un car sur le plateau. Un officier SS, à la descente du car, a fait un semblant de jugement. Pour conclure, vous êtes tous condamnés à mort. Alors, sans chaussures, sans ceinture portant ni pantalon, ils se sont précipités dans les éboulis, enchaînés deux par deux, à coups de crosse. Mais ils chantaient la Marseillaise, qui les sauvera, attendu par un bûcheron, qui racontera deux mois plus tard. Les nazis les avaient recouverts de chaux pour les faire disparaître à jamais. Ils n'ont pas réussi. Cette terrible Marseillaise, chantée dans des conditions tragiques, a sauvé leur mémoire. Cette Marseillaise que j'entends souvent quand je me recueille, ne les oublions pas. Ils nous ont porté un message pour que la France vive du moins. La liberté débarrassée du joug nazi, cette liberté qu'actuellement nous profitons encore. Merci. Allocution d'Hélène Verdouin, maire de Chine. En mémoire de nos résistants, je vous demande une minute de silence. Oh, yeah.